de Jenny. On va prendre le bac, le traversier pour se rendre au marché de Jenny. Alors, on est juste au bord du fleuve et les gens essaient de... En fait, il y a des marchands qui se sont installés ici. Ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui transitent. Alors, il y a cette vente des bijoux, des masques. Il y a aussi des enfants qui vendent des jouets qui sont fabriqués avec des cannes recyclées. Un très bel endroit. Hey, François. Et là, je suis à Jenny. En fait, on se croirait sur la planète Tatooine. Ça, de Star Wars, mais non, c'est une ville comme ça, toute faite en Banco. Puis là, je me promène dans les rues et j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète. C'est magnifique. Mon nom c'est Salif. Salif. Salif Konaria. Et Salif, ça c'est mon prénom. Konaria, c'est le nom de famille. Quoi. Ah ouais. Soyez bienvenus. Merci. C'est le week-end. Et lundi, on vient de marché pour faire la commerce. Et le marché, ça commence à 6h du matin. Ça va finir à 6h du soir. Tout le monde parle leur village. Il y a beaucoup d'activités, ça bouge beaucoup. Bon, ça bouge très bien. Même tu ne peux pas marcher tout droit. Oh et demain, là, tu peux marcher direct. Aujourd'hui, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Ici, c'est le marché des bozos. Les bozos, c'est les pêcheurs. Ça veut dire des poissons. Non. Et des poissons, ça. Ouais. Ça vient des fleuves Bani. Il n'y a pas de fleuve Niger à Guinée. Il n'y a pas de fleuve Niger. Non, il n'y a pas de fleuve Niger. Guinée est une île. Il est entouré par l'eau. Il y a 40 écoles coraniques. Il y a 12 universités de courant et 20 000 habitants. C'est interdit pour construire les maisons en ciment. Les maisons, c'est du Banco, c'est l'UNESCO. Il y a beaucoup de monde, avec des ethnies, Bozo, Ben, Bambara, Soray, Dogon, beaucoup de choses. On met dans la sauce pour manger, pour faire des bordels. Avec un plat malien, on appelle To, c'est des gâteaux en fer avec du riz et du mil. Et avec cette sauce, on mange avec ça. Très bonne. C'est des piments. Ah, mais ça, je connais ça, des piments. On en a à Montréal. Il y en a à Montréal. Oui, il y en a. J'espère à Montréal, il fait froid aussi. Hein. Il n'y a pas ça chez vous. Non, il n'y a pas ça chez moi. Et ça, c'est le sel pour les sauces. Et ça, c'est le noir de cola. Pour marier, qui amène ça au pays Dogon aussi. Et il y a beaucoup de vieux Dogon qui mangent ça à la falaise. Et les chefs de village, quand ils montent dans les falaises, ils donnent ça aux chefs de village, des imams, des populations dans les villages, ils mangent ça. Quoi. Quand tu prends des photos, tu donnes comme des cadeaux. Bon, tu peux trouver une femme, tu vas voir la famille, papa et maman, et bon, ils sont d'accord, tu vas amener le noir de cola et tu donnes sa fille. Je vais donner ma sœur, tu vas marier ici. Avec ça, tu peux. On peut avoir une femme. On peut avoir une femme. Ouais. Même là, tu veux, tu achètes 2 kilos, tu vas trouver 2 femmes. Alors, on s'en va à la mosquée? On s'en va direct à la mosquée. D'accord. Yallah. Ça fait longtemps qu'elle existe, cette mosquée? Bon, cette mosquée, c'est la troisième mosquée. Ils sont construits en 1906, c'est fini en 1907, un an de construction. Et chaque année aussi, il y a la fête de crépissage dans la mosquée, c'est tout gagné. Même il y a des gens qui viennent dans les villages pour venir aider. Et ça, c'est la terre, c'est des Banco.
avec la terre et de l'eau, avec la paille de mil et la paille de riz. Les banco, ça va bien pourri, très bien. Et après, il va faire la crépissage. Tu as vu le bois, c'est le bois de René, c'est les escaliers où on monte pour faire la crépissage. Et c'est les décorations de la mosquée. Interdit non musulmans. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a des touristes, ils peuvent visiter à l'intérieur, gratuit, rien. Et parce qu'il y a des Italiens qui sont rentrés pour boire de l'alcool, pour faire des bêtises, pour tourner le porno. Et l'imam dit, non, tu n'es pas musulman, c'est interdit. C'est à cause de ça qu'ils sont interdits non musulmans. Bon ben. Bon. Désolé. Désolé. Et là, il fait les ablutions avant de rentrer dans la mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les ablutions, il lave les mains et les dents, les pieds, il fait la prière dans la mosquée. À Guinée, tous les riels, c'est plus petit. Et en quelle année est-ce que cette ville a été bâtie? En quelle année? C'était au 9e siècle. Au 9e siècle? Au 9e siècle, c'est pas maintenant. Ça, c'est niveau Guinée. Les anciens Guinée, ça on appelle la Guinée Guinée. Ça c'est avant Jésus-Christ. Quoi. Ça c'est la pluie où on prend de l'eau. Comme à Guinée, il y a 9 quartiers. Tout le quartier, il y a des puits. Tu prends de l'eau, tu mets dans les chiots et ça fait gratuit ici. Et voilà, un voilà. Seau d'eau. Un seau d'eau. C'est bon. C'est bon. Ouais. Le travail est fait. Ouais, Là, tu m'expliques pour l'eau potable. Bon, l'eau potable, ça vient du grand château d'eau. Ça vient du château d'eau. Il y a un monsieur qui est là. Tu donnes 5 francs. Tu amènes ton seau. Tu prends l'eau. Un seau, ça fait 5 francs. Ça, c'est des anciennes maisons qui sont abandonnées. Comme avant, pour construire les briques, c'est les briques en boule. C'est les briques en boule. T'as vu? C'est les briques en boule. Tu ménages avec la berge de qualité. Pour faire les briques. Comme ça, c'est très difficile. Il y a des Français qui sont amenés cette idée. Les briques en carré, là, avec la paille. C'est des niveaux, ça, c'est des anciens. Parce que des anciens, pour construire les maisons, tu peux faire 6 mois, 7 mois. Et les niveaux, ça prend 2 mois, 3 mois pour construire les maisons. Voilà. Il y a vraiment, vraiment plein de chemins. Est-ce qu'il y a des noms de rues ici? Ouais, il y a des noms de rues. Comment on fait pour se retrouver? Ah oui. On parle combien de langues ici dans ton village? Bon, à Guinée, moi, dans mon village, on parle 4 langues différentes. On parle Sorai, Bozo, Pel, Bambara. Et là, on va monter sur le toit pour voir les marchés et l'intérieur de la mosquée. On va voir là, les 3 façades, la place de l'imam, la bibliothèque, les minbars et la tombe de la première imam. D'accord. Allez, on a fait. Ok, je t'invite en haut. Les maisons sont en étage, quoi. Et t'as vu les fenêtres? Les fenêtres, c'est les fenêtres marocaines. Là, les femmes qui n'est pas mariée, elle n'est pas droit pour sortir. Elles sortent leur tête dans le trou pour parler les gens. On appelle Moussarabiyé. Ça va, mon ami? Ça va bien. Et là, le marché, c'est la grande marché. Au milieu, c'est la place de l'imam. Et là, c'est la bibliothèque où il y a des anciens manuscrits, où les gens ils prennent ça pour lire. Et l'autre côté, c'est le Milbar, c'est la place de Mouzine.
L'air de prier, c'est les mousines qui appellent Allah Akbar, c'est l'air de prier, les mousines. Et là, c'est la tombe de la première imam, Yusuf Adraman. Et l'autre côté, c'est sa femme. Il vient d'un village Bozo qui est à 3 km, le village il s'appelle Sirim. Il vient installer ici dans la famille, il y a une grande famille qui est là-bas. Il y a beaucoup de monde qui la visite? Bon, il y a beaucoup de monde qui vient de la visite comme des touristes. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. Des Hollandais, des Canadiens, des Américains, Hollandais, beaucoup de Québécois aussi. Hein. Ils viennent à Guinée pour les touristes, pour bien visiter à Guinée, avec beaucoup d'histoires au Mali. Beaucoup d'histoires. Merci beaucoup merci. Pour cette belle grande visite que tu m'as fait. Merci. Je suis très content. Au revoir. Au revoir. Bon, ici, on gagne un peu, il y a un peu de business, et c'est tranquille aussi, et on est libre. Après l'école, moi-même, j'ai fait deux écoles. J'ai fait l'école chronique, j'ai fait l'école française. Et l'école chronique, à 6h du matin, je vais à l'école chronique, et à 7h, je viens à la maison, je mange dans la famille. Et à 8h, je rentre à l'école française. Et 10h, ils nous donnent 5 minutes. Il y a un petit éclaçon où on va manger dans les rues. Après, on va acheter du pain. Après 5 minutes, on rentre à l'école. Et midi, on va à la maison. On mange. À 1h, on va à l'école chronique. Après 1h, 2h, on est à l'école française. Après l'école française, et 4h, souvent 4h, on sort. Souvent 5h, on sort. Et après 5h ou 24h, on va au terrain pour jouer du football. On est content. Que pourrais-tu faire de ta vie? Bon, ma vie, bon, quand je suis grandi, je vais réfléchir, j'ai encore du temps. Pour l'instant, quels sont tes rêves que tu as pu savoir en toi? Bon, mes rêves, à travailler, je voulais faire un docteur. C'est mon rêve. Merci, je te souhaite. Ok, merci. Il faut toujours rêver.